Maman Anto, pouvez-vous lever s'il vous plaît? Can we please stand? Vous voyez, il y a des prophéties qui viennent par rapport à la parole. Some prophecies come according to the word. Et quand la parole évolue, and when the word is going, les prophéties sont en train de sortir. The prophecies are going out. Les pines. The thorns peut être ton père. Can be your father. Les pines peut être ta maman. Your thorns can be your les mother. Les pines peut être ton frère. You can be your brother. Ce sont ceux-là qui te donnent la mauvaise parole. Those are giving you the bad words. La contradiction, la confusion. Confusion. Maman Anto. Dans l'atmosphère des épines. In the atmosphere of thorns. Je vais te dire maintenant. I'm going to tell you right now. Que Dieu est en train de te dire. God is telling you. La chose que j'avais compris, the thing I understood, lorsqu'on avait prié là-bas au coin, when we prayed there, mais c'est revenu encore comme j'ai parlé des épines. It came back when I spoke about thorns. Dieu vous aime, maman. God loves you. Dieu m'avait amené. God brought me dans un endroit là où tu fais tes travaux, je ne sais pas si tu vends. To a place where you sell. Et tu recevais beaucoup d'argent. And you're receiving a lot of money. Mais tu perdais 1%, tu ne comprenais pas. But you're losing 1% that you never understood. 1%. Somebody was stealing from you. Et comme on voulait 1%, as they were stealing from you, argent, from your money, tu as tombé. You were falling. C'est-à-dire, le voleur volait 1% seulement. The thief was only stealing 1%. Mais 1%, but that 1% that he was stealing, a fait tomber tes affaires. I brought down your business. Je ne sais pas ce que tu fais. I don't know what you do. Maintenant. Today. Maintenant. Now. Dans cette atmosphère. In this atmosphere. De perdre 1%. To lose 1%. Tu arrivais à une confrontation. You were fighting. Où tu allais perdre ta vie. You're about to lose your life. Avec le comment on appelle la maladie du cœur. With the problems of the heart, the sickness of the heart. Vie, comment on appelle ça, vie? Hein? Vie ici. Hein? La maladie du cœur pompe, tension pompe au coin. Hypertension. Stroke. C'est ça le diable voulait. That's what the devil wanted. Maintenant, le diable utilisait l'enfant que tu as perdu. The devil was using the child that you lost. C'est difficile, hein? It's very hard. Mais Dieu a compris que but God understood dans ton innocence, in your innocence, il doit enlever les pines. He needs to take away the thorn. That's difficile. It's very difficult. Et le pain a été enlevé. And the thorn was brought away. Pour sauvegarder ta vie. To keep your life. C'est ça le message. That is the message. Donc réjouis-toi dans l'Éternel. Be happy in the Lord. Maintenant. Now. Tu dois suivre maintenant Dieu. You need to follow God. Touche Dieu. Touch God. Faut pas relâcher la main de Dieu. Do not leave the hand of God. C'est là où maintenant la chute que tu as reçue. The failure that you've received, ça va être disparaître. Is going to go away. Et après tu vas grandir. And you're going to grow. Comme avant. Like before. Le 1% que le diable volait. That 1% that the devil was stealing. Ça sera multiplié au centime. It's going to multiply in hundreds. Et tu recevras beaucoup encore. And you will receive a lot. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Faut maintenant prier à la maison quand j'arrive. You need to pray at home. Tu dis que Seigneur restaure moi. So Lord restore me. J'ai perdu. I've lost. J'ai pleuré. I've cried. Mais j'ai compris. But I understood. Restore-moi. Restore me. Restore-moi. Restore me. C'est ça la prière. That is the prayer. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Can we pray for the Lord?